Et je connais bien les routes du coin. On se dit il y a deux bosses très difficiles, mais en vrai il n'y a pas que ça, il n'y a aucun plat. Même entre les deux bosses et en prise, c'est dur. Donc au final, il y a les deux bosses, mais tout le circuit est dur. Et au-delà de la difficulté, il y a aussi, ça va être des routes étroites là, ça va être vraiment des passages hyper importants. Ça va être une course de placement aussi, ça va être nerveux. Ouais, au niveau de la porte d'air, le placement très important parce que juste derrière, la descente pavée, ça va être en file. Celui qui est mal placé à l'entrée de la porte d'air, il va mettre beaucoup de temps à remonter. C'est dans quel état d'esprit avant, tu penses à quoi avant ce championnat? J'ai fait ma première course à étape la semaine dernière. J'ai fini un peu dur mais pas cramé, donc je pense que si j'ai bien récupéré, je devrais être en forme. C'est un objectif que tu t'étais mis dès le départ, ce championnat, ou c'est plutôt arrivé comme ça dans la saison? Non, c'est plutôt arrivé comme ça parce que j'ai eu un gros programme en e-sport avec des gros déplacements et la préparation pour les France n'a pas été optimale. J'ai pas pu faire la ronde de l'Oise et les autres courses à étapes. Ça a été plutôt léger en course élite, donc je le prends un peu comme ça. Et tu vois ça comme un avantage d'avoir l'expérience de ces routes, de connaître bien? T'es déjà passé plusieurs fois ici avec les 4 jours et tout. Ouais, c'est vrai que c'est des efforts que j'avais l'habitude de faire. Savoir rouler sur des routes pavées, il y a quand même un peu de technique, donc ouais, je pense savoir faire. Ouais. Et t'as marqué d'autres mecs un peu? Il y a des mecs qui vont te faire peur, ou en tout cas tu te dis ceux-là ils vont marcher demain, demain. Ouais, il y a pas mal de mecs. Je pense qu'il est assez ouvert cette année. Le peloton amateur, il y a quand même beaucoup de bons punchers, donc ça va être plutôt ouvert. Ouais. Et comment t'imagines un peu le déroulement de la course? Je me suis posé la question plusieurs fois. Je sais pas trop, mais je vois pas forcément d'échappée prendre le large. Je pense que ça va se faire beaucoup par l'avant.